Bonjour les amis, arrêtez de fumer quand on chante la cigarette. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question, est-ce que c'est nocif ou pas pour chanter? Est-ce que ça joue sur la voix? Est-ce qu'on peut récupérer derrière? Comment on peut faire pour arrêter? Vous savez les amis que j'aime m'adresser à des spécialistes, que je ne suis pas spécialiste de l'arrêt du tabac. Donc j'ai convié aujourd'hui David qui est spécialiste entre autres dans ce domaine. Salut David! Salut Antoine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, David, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es, te présenter, quel est ton parcours? Bien sûr, donc comme tu l'as dit, je m'appelle David, David Vigneron. Le parcours, il est relativement simple. Je suis infirmier, j'interviens dans les écoles d'infirmières, dans diverses institutions. Je suis formateur, donc formateur en hypnose, en développement personnel et assez spécialisé en neurosciences et aussi en sevrage tabagique. Et voilà, mon domaine de prédilection sont les sevrages tabagiques. Effectivement, tu parlais d'un certain nombre de problématiques quand on est chanteur, quand on chante, on pourra en reparler. Et puis, je me suis intéressé aussi beaucoup aux douleurs de par ma profession, donc voilà, des douleurs et beaucoup de sevrage tabagique. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc puisque tu es infirmier, mais tu utilises aussi d'autres techniques. Est-ce que tu peux nous parler, enfin, nous expliquer un petit peu comment justement tu t'es orienté sur ce type de techniques qui sont très efficaces d'après ce que tu m'expliquais? Ouais, c'est effectivement très efficace. On fait de l'hypnose dans les blocs opératoires pour des ablations de thyroïde, de tumeurs, etc. Moi, ça a été un hasard, entre guillemets. Einstein me disait, le hasard, c'est quand Dieu se manifeste incognito. Donc, il n'y a pas vraiment toujours de hasard. Grâce à un patient extrêmement douloureux qui avait des cancers liés des douleurs, pardon, de cancer digestif. Et ce monsieur-là m'a donné envie d'aller plus loin concerne la prise en charge des douleurs. Et voilà pourquoi je me suis formé à l'hypnose. Je n'ai pas du tout, pendant mes études, été initié à l'hypnose. On en avait jamais entendu parler. Un petit peu de spectacle, des trucs comme ça, comme tout le monde à la télévision, dans les cabarets. Mais je n'étais pas plus ouvert que ça. Et je me suis formé. Et puis, petit à petit, là, je me suis spécialisé. Donc, comme je l'ai dit, dans les douleurs, prise en charge des douleurs, dans le sevrage tabagique, le stress aussi, jusqu'à devenir formateur. Voilà. Quelque chose en tout cas qui, si ce n'était pas du hasard, n'était pas forcément prévu initialement, parce que j'ai commencé dans une activité totalement j'allais dire décalée, différente, le SAMU, les urgences, donc ça n'a strictement rien à voir avec le sevrage tabagique. Tu parlais tout à l'heure d'un patient justement qui avait des douleurs, mais donc c'est ce que je comprends, c'est que par l'hypnose, c'est pas finalement une dose de médicaments supplémentaires qu'on va rajouter, on va travailler vraiment sans ajout extérieur en fait. C'est ça. Très souvent, l'hypnose, alors moi je dis que c'est complémentaire à la médecine, si on parle notamment des douleurs. Et je me souviens une nuit, je vais vous donner des chiffres, ça va être très éloquent, même si on n'est pas forcément des spécialistes de la morphine ou des morphiniques ou des antalgiques. Grâce à l'hypnose, j'ai un patient qui faisait 14 demandes de morphine par nuit. Je faisais que des nuits à la pompe à morphine, hein, ce qu'on appelle la PCA de morphine. 14 demandes et avec une seule séance d'hypnose qui a quand même duré une bonne heure. Etc. Et donc, une nuit, il est passé de 14 demandes à 2 demandes. Donc, ça permet de diminuer. Et comme il était maître, entre guillemets, de sa pompe à morphine, c'est pas nous qui avions décidé, quoi. C'était une de mes premières expériences hypnotiques. Alors, j'étais pas forcément hyper convaincu parce que pendant mes formations d'hypnose, j'avais jamais eu vraiment la preuve, hein, quand j'étais pas moi dans mon service à l'hôpital avec mes patients, hein, j'étais pas forcément hyper convaincu. Et puis scientifiquement, on m'avait jamais appris ça à l'école d'infirmiers pendant mes quasiment 4 ans d'études. Donc voilà, donc c'est les patients que j'ai pu accompagner qui ont réussi à me convaincre en quelque sorte, même si c'était pas leur souhait, leur objectif initial, qu'effectivement ça fonctionnait très bien. Et au fur et à mesure que je me suis mis à pratiquer, donc sur les sevrages tabagiques, la douleur, etc., je me suis rendu compte que l'hypnose, c'est quoi? C'est simplement la possibilité pour nous, nous, les malades, les patients, les êtres humains en général, de mobiliser les ressources qu'on a en nous, les ressources mentales, mais aussi les ressources physiologiques, notamment hormonales, les ressources physiques, ressources qui sont souvent dormantes, inexplorées ou inexploitées. Et c'est ça, c'est la mobilisation du fabuleux pouvoir qu'on a en nous, qui pourrait rester endormi toute notre vie, comme ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes, et ceci nous empêchant d'atteindre certains objectifs, alors que ce soit
performance, hein, sportif par exemple, gérer la douleur ou réussir à arrêter de fumer. Ça fonctionne très bien et je pense qu'on va en parler puisque dans la dimension cigarette, hein, quand on fume, il y a une dimension qui est grande, très grande, c'est la partie psychologique, hein, comportementale, on va développer ça. Et donc l'hypnose, ça fonctionne très bien et c'est toujours complémentaire à la médecine. Alors, quand on parle de sevrage tabagique, on n'évoque pas forcément la complémentarité à la médecine parce qu'en médecine, on ne sait pas trop comment prendre en charge les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. En tout cas, c'est complémentaire aux phobies, au stress post-traumatique, médicalement, quand c'est pris en charge, hein, j'entends, aux douleurs, etc. Ça fonctionne très bien, en effet. Oui, parce que je vois les chanteuses et les chanteurs avec qui je travaille. Bon, voilà, certains fument. Et en fait, à un moment, si tu veux, ils se rendent compte que leur voix est en train de bouger, que leur corde vocale, en fait, s'endommage, quoi, hein, avec la fumée de cigarette. Et c'est à ce moment-là où ils se disent, ben, bon, il faudrait que j'arrête de fumer. Mais alors, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens, en fait, essayent les patchs. Et ce que je vois, mais je ne suis absolument pas médecin, j'ai l'impression que ça ne marche pas parce que je ne connais aucun de mes chanteuses ou des chanteurs que j'accompagne qui ait pu arrêter de fumer grâce à des patchs. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, toi qui es dans la discipline? Alors, les patchs, en effet, les études relatent que ça ne fonctionne pas super bien. C'est à peu près, selon les études, on va dire 12 à 14% de réussite à 6 mois. Donc, on ne va pas souvent chercher beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a à peu près plus de 85% des personnes qui veulent arrêter avec les patchs. Alors, les substituts nicotiniques au sens large du terme. Peut-être effectivement les patchs, les sprays sous la langue. Oui. Peut-être des chewing-gums, des bonbons à sucer. Enfin, voilà, il y a plusieurs types de substituts nicotinique, 85% des gens quand même qui continuent à fumer. Alors, moi je ne suis pas forcément un adepte des patchs parce que ça ne me permet pas de travailler sur la dépendance la dépendance, je vais commencer par celle-ci, ça va être plus simple, la dépendance comportementale. La dépendance comportementale, c'est quoi? Elle est composée de deux sous-dépendances. La première, c'est la gestuelle, peut-être. Oui. Et ça vous parle bien, à peu près 10 fois par cigarette, cette gestuelle. Ouais. Et la seconde, dans la comportementale, eh bien, ce sont les habitudes, ce qu'on appelle, nous, les neuro-associations. Donc, c'est par exemple, si vous fumez, vous savez mieux que moi, café-clope, pause-clope, vous roulez et vous fumez, vous êtes sur l'ordinateur, vous fumez, vous jouez au poker. Je donne des exemples de patients. Hein, voilà, ouais, les musiciens. Les habitudes, donc. Les patchs, les substituts nicotiniques ne fonctionnent pas sur ces neuroassociations, d'une part, et d'autre part, ça ne fonctionne pas sur la dépendance psychologique. Et au contraire, vous allez comprendre pourquoi la dépendance psychologique, c'est quoi? Eh bien, c'est je fume, et puis j'inhale des milliers de substances toxiques. Hein. Et d'ailleurs, les cordes vocales sont les premières, quasiment dans les premières à être touchées, parce qu'elles sont situées au niveau du pharynx, donc, c'est-à-dire dans la sphère ORL. Et donc, je fume, et donc la nicotine va pénétrer dans le sang via les échanges au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, la nicotine est dans le sang, et la nicotine, c'est un aimant à cortisol. Et qu'est-ce que le cortisol? Eh bien, c'est l'hormone du stress. Et donc, vous fumez, et puis vous vous stressez pour de vrai, réellement, physiologiquement, de par cette hypercortisolémie. Trop de cortisol dans le sang, donc hyper stress. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui est dans la tête, entre guillemets, il y a vraiment. Du coup, des hormones qui sont présentes dans le sang, quoi. Absolument, notamment, tout à fait. Et puisque là, du coup, dans la tête, ça vous détend. Hein, c'est bon, les fumeurs disent ça me détend de fumer. Si c'est une sensation, moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Chacun ressent ce qu'il a ressenti vis-à-vis des cigarettes, notamment. Et puisque ça vous détend dans la tête, eh bien, quand vous fumez, eh bien, vous allez refumer. Parce que initialement, vous avez été stressé physiologiquement de par le cortisol. Et vous êtes dans un espèce de cercle vicieux. Plus je fume, plus je suis stressé. Mais puisque ça me détend dans la tête, eh bien, je fume. C'est un cercle vicieux duquel il va falloir sortir. Ce que les patchs ne proposent pas forcément. Parce que on a les patchs, vous savez, hein, ce sont des substituts nicotiniques. Ou les autres, hein, les bonbons à sucer, etc. On fait pénétrer de la nicotine dans le sang. Et on rentre de nouveau dans cette... un peu ce cercle vicieux, et en plus on ne traite pas la gestuelle, on ne traite pas les habitudes, et donc voilà, les résultats ne sont pas forcément super convaincants. Alors c'est bien pour les 12-14% qui arrêtent totalement de fumer, c'est magnifique, mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui continuent à fumer. Et juste pour finir sur cette petite partie là, si vous vous dites je vais arrêter seul, les études démontrent que arrêter seul c'est à peu près 6-7-8% de réussite, donc il y a quand même
un peu plus de 90% de réussite quand on arrête seul avec ce qu'on appelle la simple volonté. Parce que là aussi, d'arrêter seul, bah, on ne traite pas la gestuelle, on ne traite pas les habitudes, vous ne traitez pas la dépendance psychologique, et ce sont les plus importantes. En fait, chez le fumeur, ce n'est pas la dépendance physique, comme on pouvait le penser, comme beaucoup le pensent, qui est la plus importante, c'est la plus faible des trois. D'ailleurs, si vous fumez, vous le savez bien, c'est la gestuelle qui manque, c'est compliqué avec les habitudes, etc. Ce qui est totalement différent de la personne qui est alcoolodépendante, parce que l'alcoolique, hein, l'alcoolodépendant, lui, s'il arrête de boire jusqu'au lendemain, il risque de faire ce qu'on appelle un DT, un délirium tremens, parce qu'il y a une composante très physique. Et le DT, ça peut conduire jusqu'à la mort en passant par des convulsions, le coma, etc. Et voilà pourquoi, en fait, toutes ces méthodes dites naturelles ou complémentaires à la médecine, on appelle ça comme on veut, fonctionnent bien parce que nous, on travaille sur les deux principales dépendances, qui sont la dépendance, vous l'avez compris, psychologique, en gérant le stress, et aussi la dépendance comportementale par rapport aux habitudes, à la gestuelle, etc. Ouais, ça me parle vraiment ce que tu nous expliques là, parce que moi je vois, voilà, les musiciens que j'accompagne, il y a l'habitude, c'est-à-dire la petite pause café clope, oui. Voilà, il y a, bah oui, le on va en soirée, on va écouter un concert, machin, bah voilà, on va la cigarette, et effectivement le matin ils ont, il y a cette envie de mettre quelque chose au bec, quoi, de y a, exactement, la gestuelle dont tu parles, et effectivement ça font avec les patchs. Ils n'arrivent pas à arrêter. Alors, ce qui, du coup, en plus, est vraiment très démotivant, parce qu'ils se disent, j'ai fait, là, on est en début d'année, alors les gens prennent des bonnes résolutions, ils disent, allez, je vais arrêter de fumer, donc ils s'y mettent, donc ils vont à la pharmacie, ils vont acheter leur patch, ils font le truc, et ils ont toujours envie, et ça ne marche pas. Et du coup, en fait, ils commencent l'année sur un échec, de dire, bah, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché pour moi, et qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Absolument. Et puis, très souvent, on vous dit, bah, tiens, on va à la pharmacie, on achète des patchs, et puis vous vous collez des patchs. Et en fait, on propose du one shot. Le one shot, c'est quoi? C'est vous mettez les patchs, mais vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. Alors, on peut quelquefois fumer avec les patchs, ça dépend de la posologie, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en attendant, bah, le geste, on le divise par deux ou on l'arrête. Et ça, c'est très compliqué. Le one shot, c'est l'arrêt brutal. Il faut bien comprendre que si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous fumez, il y a une habituation dans votre corps. Votre corps s'habitue à fumer, à la cigarette, à la nicotine, etc. Ce qui n'est pas inné chez lui. Donc, il y a une habituation. Et il va falloir, je ne sais pas si c'est vraiment très français, mais il va falloir le déshabituer petit à petit. Moi, dans mes accompagnements, eh bien, c'est du sevrage progressif. Je me réfère à une méthode en coaching que je trouve formidable, qu'on appelle la méthode Kaizen. Ça vient du Japon, c'est la méthode des petits pas. Si on y va petit à petit pour laisser le temps au corps de se déshabituer et en fait de s'habituer à sa nouvelle vie, à ses nouveaux comportements qui sont sains et qui ne sont pas nocifs, évidemment, comme le tabac. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que les personnes qui utilisent. Ah oui, excuse-moi, les personnes qui utilisent du coup tes méthodes, tu ne leur dis pas du jour au lendemain, vous jetez votre paquet, on n'entend plus parler, il y a une transition qui se fait, quoi. Absolument. Moi, je parle de désensibilisation. Le terme transition est tout à fait juste. Je fais ça sur 11 jours et petit à petit, les gens arrêtent. Alors, 10 minutes pour au 11e jour arrêter totalement sans pour autant, se mettre la pression. Voilà, bien nouveau. Ouais, se mettre la pression en disant, il faut aujourd'hui, je suis à 20, il faut que je passe de 20 à 10. Et puis demain matin, il faut que je passe de 10 à 5. Non, ça se fait naturellement parce qu'on laisse le laisser faire. Hein. On laisse le corps s'habituer, se déshabituer et ça lui permet aussi de découvrir comment réagit notre corps, notre mental, notre habitude, etc. Comment tout ça réagit quand petit à petit on se débarrasse des cigarettes. Et ça, c'est un sevrage progressif. Alors, pour autant, progressif, vous l'avez compris, c'est pas sur 6 mois, hein, 11 jours, c'est progressif, c'est quand même 11 jours, mais ça fonctionne plutôt très bien si on compare par rapport au one shot, c'est-à-dire au brutal. Alors, on parlait d'hypnose. Là, j'ai quelques chanteurs, moi, qui ont testé l'hypnose. Mais alors, ce qui me remontait comme difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément un hypnothérapeute qui est disponible en proximité. Donc, ça leur fait faire des fois 100-150 km pour aller à une séance. Potentiellement, ils devront faire peut-être plusieurs séances. Il y a un coût amené à tout ça. Et du coup, c'est compliqué pour eux. Et du coup, tu proposes une alternative, toi, justement, à cela, dans ce que tu m'expliquais quand on préparait cette interview. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, tu as tout à fait raison, la proximité, ce n'est pas évident. Et puis, il y a aussi et ça, c'est encore peut-être moins facile, de trouver la bonne personne qui va pouvoir nous accompagner, qui sait de quoi elle parle, qui est expérimentée, qui maîtrise le sujet, qui est bienveillante. Je garantis que ce n'est pas facile. C'est vrai, si on veut chercher un chirurgien pour se faire opérer aussi, c'est valable pour tous les domaines. Et l'alternative que je propose, c'est, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, d'arrêter de fumer progressivement, petit à petit, mais de chez vous en suivant un accompagnement en ligne. C'est un accompagnement qui est basé sur 10 jours et le 11e jour, c'est la dernière journée qui permet d'arrêter de se débarrasser complètement, totalement, définitivement. Et là, voilà, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, c'est moins onéreux qu'un accompagnement présentiel. Et puis, c'est chacun à son rythme, c'est-à-dire que si moi je veux faire plutôt écouter les audios, c'est à raison de quelques minutes par jour, le matin, je fais le matin. Si je préfère le soir, je fais le soir. Si je travaille de nuit, ben, j'aurai plus facile à le faire en milieu d'après-midi. Enfin, voilà. Et là, c'est vraiment une bonne alternative qui, après avoir bien sûr évalué sur quasiment 300 personnes, 290 et quelques personnes, démontre qu'il y a de bons résultats. Et j'insiste là-dessus, il y a deux conditions à réunir, parce que mon but n'est pas de promettre monts et merveilles. La première, c'est qu'il faut être motivé. Alors, toi, Antoine, c'est bien, si je veux jouer correctement, si j'ai un instrument de musique, si je veux chanter correctement, il faut que je sois motivé. Sans quoi, il faut que ça vienne de moi. Parce que si mon papa, ma maman, ma femme, mon fils, ou je ne sais pas qui me force à arrêter de fumer, ça ne va pas fonctionner ou beaucoup moins bien. On parle de motivation intrinsèque, c'est-à-dire de moi, premièrement. Et deuxièmement, comme quand on apprend le piano, quand on apprend à chanter, eh bien, il faut coopérer, c'est-à-dire il faut faire les exercices qu'on vous propose. Et c'est là aussi la loi des petits pas, la méthode Kaizen. Moi, ce que je propose, c'est quelques minutes par jour pendant 10 jours. Mais ces quelques minutes, il faut vraiment les assurer, il faut coopérer. Et c'est en ça qu'on vraiment déshabitue le corps pour l'habituer à de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui sont saines. Voilà les deux conditions à réunir. D'accord, donc c'est vraiment un programme d'accompagnement. Bah, d'ailleurs, les amis, hein, comme d'habitude, vous savez, si voilà, si ce dont nous parlons vous intéresse, on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez accès à toute la description de ce programme d'accompagnement. Du coup, David, parce que je me dis, toi aussi souvent, là, je pense toujours à mes chanteuses et mes chanteurs qui cherchent à arrêter de fumer. Souvent, il y a le problème du conjoint, mais du coup, ce programme. Puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer, on peut le suivre en fait par Internet depuis chez soi. Hein. Ça veut dire que moi, par exemple, bon, je fume pas, mais si je m'engageais dans ce programme, ma femme pourrait suivre aussi ce programme, par exemple. Voilà, donc je ne vais pas parler de toi ni de moi parce que moi non plus je ne fume pas, mais si par exemple voilà, tu suis ce programme, que ta femme veut arrêter, vous en profitez à deux, et puis ça coûte plus qu'une fois, quoi, voilà, hein, bien sûr. Ce que je veux juste préciser, c'est qu'on a beaucoup parlé d'hypnose, il n'y a pas que l'hypnose hein, dans ce programme d'accompagnement. C'est très fort, c'est très puissant l'hypnose, mais quand j'ai commencé à travailler sur les patients douloureux, je me suis rendu compte que si on combinait d'autres méthodes, eh bien, ça ne faisait qu'augmenter l'efficacité de chaque méthode. Ce qui, donc, les méthodes mises, associées les unes avec les autres, nous offrent de très bons résultats. Donc, il y a effectivement l'hypnose, il y a la cohérence cardiaque, vous pouvez regarder ce que c'est pour travailler sur la partie anti-déprime, parce qu'on peut faire une petite déprime quand on arrête de fumer, puisqu'on est en manque notamment de certaines hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails, la sérotonine. La cohérence cardiaque permet d'augmenter la sérotonine, permet de diminuer le cortisol, des milliers de publications médicales expliquent tout ça. Je travaille aussi avec la PNL, la programmation neuro-linguistique. Ce sont les justes suggestions qui sont données à l'inconscient pendant que vous êtes en état d'hypnose, donc ça fonctionne encore mieux. Et puis j'utilise aussi beaucoup de techniques de neurocoaching, puisque j'ai fait aussi des neurosciences, une spécialité. Le neurocoaching, c'est également très fort, très puissant. Il y a entre autres les autosuggestions. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas que l'hypnose. C'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous faites ce programme, rester allongé pendant tous les jours, pendant un quart d'heure, à écouter les audios. Il y a un petit peu de travail à fournir, mais il me semble que le jeu en vaut la chandelle, puisque voilà, en 11 jours, pour vous, c'est fini. Si vous coopérez, vous êtes motivé, ça fonctionne très bien. Alors, vous voyez les amis pourquoi j'ai fait appel à David, parce que vous savez que moi j'aime travailler avec des spécialistes, j'aime vous faire découvrir des spécialistes et vous comprenez que David il a réuni finalement, il a fait la synthèse de plusieurs techniques en fait pour vraiment avoir
un accompagnement qui vous aide vraiment, qui vous accompagne, qui fasse la transition vers votre arrêt du tabac. Ce que je comprends, David, c'est que c'est en plus très rapide. C'est-à-dire qu'une personne qui regarderait là, cette vidéo en janvier, avant la fin du mois, finalement, il aura arrêté de fumer, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Si, admettons, il profite de l'offre maintenant, qui commence demain, effectivement, à la fin du mois, il aura terminé. Bon, sachant qu'il peut prendre l'offre tout de suite et commencer quand il veut, parce que ça ne ferme pas au bout de 30 jours, par exemple, c'est toujours ouvert. C'est effectivement assez rapide. Il y a du travail à fournir, c'est ce que j'ai dit, mais bon, comme je disais, le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Le 11e jour est un petit peu plus long, ça dure à peu près 1h30, parce que c'est vraiment le jour où je vous accompagne pour arrêter de fumer, c'est terminé. Et j'ai même poussé un petit peu plus loin, on en parlait juste avant. C'était un enregistrement studio pour les audios, etc. Et il y a deux audios, il y a l'audio homme et l'audio femme. Parce que si vous êtes un homme, que je vous dis que vous êtes heureuse de vous débarrasser, heureuse pour un homme, ça passe pas trop bien. Et si vous êtes une femme et que je dis que vous êtes serein, ça passe pas trop bien non plus. Vous voyez, tout a été fait de façon à ce que votre inconscient, qui est très fort et très puissant, 85% d'activité neurologique, se retrouve sur tous les plans. Et puis, il y a d'autres petites astuces également que je donne. C'est comment, et bien sûr, éviter de replonger, hein, parce que c'est quand même l'objectif. Et ben, je vous dis les trois pièges principaux. Je les donne par ordre croissant. En fait, je vous explique aussi comment vous passez du geste, ce geste-là. Vous mettez à peu près un mois pour, entre guillemets, en faire le deuil. Mais il y a des astuces vraiment très simples à mettre en place qui sont, je m'excuse pour le terme que je vais employer, mais des trucs très cons et qui, pour autant, fonctionnent très bien. Et voilà. Et comme tu disais, justement, bah, tout est combiné, mis ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible. Bien sûr, ce que je propose là, je ne l'ai pas inventé du jour au lendemain. Je n'ai d'ailleurs rien inventé. Ça s'est fait sur plusieurs années. Et comme je le dis très souvent, mes meilleurs formateurs ont été mes patients parce que, avant d'arriver à des résultats tels que ceux-ci, bon, il y a quand même quelques accompagnés, quelques patients qui ont suivi les plats. Hein, c'est comme tout le monde. Je trouve ça intéressant, ouais, que tu précises qu'il y a aussi dans l'idée de ce programme d'expliquer aux gens et de les accompagner dans le fait de ne pas replonger. Parce que finalement, arrêter de fumer, c'est presque assez facile de dire « Tiens, aujourd'hui, je ne vais pas toucher une cigarette. Les amis, j'ai arrêté de fumer pendant un jour. » Et c'est vrai que voilà, je pense toujours aux chanteuses et aux chanteurs qui regardent cette vidéo. Si on veut avoir le nettoyage des cordes vocales et l'évacuation des dépôts, il faut à un moment arrêter de fumer. C'est pas juste je vais pas fumer ce week-end et donc du coup je vais pouvoir avoir des cordes vocales toutes belles lundi. Non, ça va pas suffire. Donc c'est intéressant effectivement, David, que tu expliques ça, qu'il y a cet accompagnement dans aussi je vais vous aider à ne pas replonger, parce que c'est souvent ce qui se passe pour des personnes qui auraient pu arrêter, quoi. Oui, c'est ça. C'est 11 jours pour se débarrasser de la cigarette, mais définitivement, c'est le but. Hein, c'est définitivement, parce que s'il est 14 heures que j'ai arrêté de fumer depuis 10 heures du matin, je ne considère pas que j'ai arrêté de fumer. Les personnes évaluées pour annoncer des résultats d'à peu près 84% de réussite, c'est à 18 mois, hein, pas au bout de deux semaines pour les évaluer. Ah oui, d'accord. Donc, au bout d'un an et demi, 84% des gens qui ont suivi cet accompagnement ont arrêté de fumer. 6 mois pendant 18 mois, en fait. Oui, d'accord. C'était trois fois. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Le but, c'est effectivement d'éviter la reprise. Et puis, tu parlais de chanteuse, hein, il y a toujours, et ça, c'est souvent un motif de reprise du tabac, je vous donne un petit tuyau, je recommence à fumer parce que j'étais en meilleure santé quand je fumais. J'entends beaucoup de personnes autour de moi, notamment, qui disent ça. C'est totalement faux, mais à la fois, elles ont aussi raison. Parce que quand on arrête de fumer, le corps se détoxifie, se déshabitue en fait. Il s'habitue dans l'autre sens, il se détoxifie. Et ça, c'est l'équivalent d'un petit syndrome grippal pendant 5, 6, 8, 10 jours. En général, ça dure une dizaine de jours. Alors avec la voix rauque, avec, excusez-moi, des crachats, des difficultés respiratoires, des soufflements, des maux de gorge, etc. Mais ce n'est certainement pas un motif de reprise. C'est-à-dire que votre corps évacue et c'est tant mieux. Et il manifeste l'évacuation de tous ces toxiques en provoquant un petit syndrome grippal. Ce n'est pas un syndrome grippal, mais au niveau de la symptomatologie, c'est à peu près pareil. Et dans cet accompagnement, je vous explique aussi comment rebooster vos reins, comment booster votre foie. Parce que
les reins et le foie, surtout les reins, vont éliminer tous ces toxiques que vous avez accumulés pendant des années. Donc, c'est important d'aider votre organisme aussi. Voilà, donc si vous arrêtez de fumer, donc ça, et puis que pendant 8-10 jours, vous avez la voix un petit peu rauque, vous ne vous sentez pas trop bien, Antoine ne vous en voudra pas, et puis c'est tout à fait normal, mais ça revient dans la norme au bout de 10 jours. Mais dès l'instant où vous arrêtez de fumer, eh bien, votre organisme va commencer à vous remercier parce que vous ne l'intoxiquez plus. Je vais pas, c'est pas le but, hein. De toute façon, tout le monde est largement au courant. Je vais pas vous expliquer ce que vous inhalez, ce que vous fumez, les conséquences, etc. Même si on pense toujours que ça n'arrivera qu'aux autres. Malheureusement, c'est faux. 73 000 personnes meurent chaque année du tabac en France, quand même, hein. La moitié des cancers sont imputables au tabac, tout ça. Bon. Donc c'est pas forcément ingénieux de vous expliquer quels sont les risques liés au tabac, mais on est plus dans le pragmatisme parce que ce qui nous intéresse, ce qui nous arrive là maintenant, neurologiquement, on est constitué comme ça, on a plus de mal à anticiper quelque chose de négatif pour nous, en tout cas quand on veut arrêter seul. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, c'est une bonne alternative de parler à notre inconscient. Vous savez, l'inconscient, c'est quoi? Moi, je parle beaucoup avec les gestes, mais je ne conscientise pas. Je me dis, bah, tiens, là, je vais mettre ma main devant. C'est comme quand vous toussez, vous mettez la main devant la bouche quand on conduit. 85% de nos habitudes sont inconscientes, de notre gestuelle est inconsciente, de nos comportements sont inconscients. C'est une bonne alternative d'expliquer à cet inconscient qu'il est bon d'arrêter de fumer totalement définitivement. Ouais, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Évidemment, l'idée, c'est pas de faire de leçons de morale, c'est de vous proposer des solutions quand vous voulez résoudre une difficulté. Et si votre difficulté, c'est d'arrêter de fumer parce que vous aimez chanter, vous sentez que votre voix n'a pas le même timbre qu'avant et puis qu'en plus, ça évolue, le message d'espoir, c'est de dire que vous pouvez tout à fait décrasser tout ça, comme nous l'expliquait David. Vous allez pouvoir évacuer toutes ces toxines si vous souhaitez arrêter de fumer. Et si vous souhaitez arrêter de fumer, eh bien, le programme de l'accompagnement de David est vraiment un bon accompagnement. On va donc vous laisser le lien dans la description si vous voulez aller plus loin et en savoir plus. Si vous avez des amis chanteuses, chanteurs, eh bien, qui chantent et qui vous ont dit à Nouvel An, ah, qu'est-ce que j'aimerais me débarrasser de ça en 2019. Eh bien, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Vous leur rendrez service. Je voulais te remercier, David. Merci de toutes ces explications. Je pense que ça donne vraiment d'excellentes pistes aux personnes qui se posent la question de comment arrêter de fumer. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, David. Merci. Merci à toi, Antoine. Et puis, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Ciao.